Pour ce qui est du Moyen Âge, les grandes questions qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Traditionnellement, on dit que ça commence à la fin de l'Empire romain et que ça termine ou à la découverte de l'Amérique ou au moment de la chute de Constantinople. Mais en réalité, ce qui est très important de comprendre, surtout pour le début du Moyen Âge, c'est comment on passe de l'Empire romain à une autre société qui n'est plus l'Empire romain, mais qui a conservé quand même beaucoup de choses. Et du coup, j'ai voulu commencer en 400, donc évidemment 76 ans avant la chute officielle de l'Empire romain, au tout début du 5e siècle, parce que pour moi, pour comprendre ce qui se passe dans les siècles, des premiers siècles du Moyen Âge, donc ce qu'on connaît en France, Charlemagne, et puis Clovis, enfin toute cette période du début du Moyen Âge, il faut remonter un peu en arrière et savoir ce qu'a été la fin de l'Empire romain, comment c'est organisé, comment les empereurs ont essayé de modifier un peu la structure de l'Empire pour continuer à fonctionner malgré les défis, la pénétration des barbares, les problèmes économiques que rencontrait l'Empire romain. Et donc, cette période-là, à mon avis, est charnière. Et ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est commencer un tout petit peu plus tôt pour vraiment avoir le temps de comprendre le processus qui aboutit à une société nouvelle, qui est la fusion, en fait, de l'héritage romain, qui disparaît pas du tout, qui se transforme, évidemment, mais qui reste en grande partie présent, et tous les apports qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle les barbares, mais qui, en fait, sont des germains en contact depuis des siècles avec l'Empire romain. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer au début du livre, et c'est pour ça que je commence un tout petit peu plus tôt que ce dont on a l'habitude. Alors l'Occident, c'est un terme qui n'existe pas à l'époque. Donc c'est toujours un peu délicat de prendre un terme qu'on impose, si vous voulez, une réalité qui n'existait pas. Alors à quoi ça correspondrait à l'époque? On dirait peut-être à l'époque la chrétienté latine, c'est-à-dire l'espace où le latin n'est pas la langue maternelle des gens, ils parlent des langues vernaculaires, qui sont même peut-être parfois pas latines, hein, comme l'allemand ou l'anglais, mais qui ont le latin comme langue commune, langue aussi de liturgie pour l'Église, et qui reconnaissent l'autorité du pape, autorité symbolique ou réelle. Donc voilà, simplement, chrétienté latine, ça parle beaucoup moins que Occident, qui s'est imposé depuis déjà le livre de Le Goff dans les années 60. Et donc j'ai voulu garder ce terme-là, plutôt que celui, par exemple, d'Europe, puisque l'Europe de cette époque, en fait, il y a des espaces musulmans, en Espagne, en Sicile. Il y a des espaces orthodoxes qui dépendent de Byzance et qui, donc, du coup, ne sont pas la chrétienté latine, comme en Europe centrale et en Europe orientale. Et l'Occident médiéval, finalement, va hors d'Europe avec les croisades, par exemple. Donc ce terme m'est apparu comme un bon terme, même s'il est un petit peu abusif, puisque ce n'est pas le terme employé à l'époque. En tout cas, il exprime bien ce que c'est cette unité, disons, politique et civilisationnelle, même si ça ne veut pas du tout dire qu'elle est isolée du monde qui l'entoure, au contraire. Mais j'ai voulu, voilà, donner ce terme qui me paraissait le plus simple. Quand on regarde les débuts et la fin, on peut se dire finalement qu'est-ce qui a changé. Ça a été une longue période intermédiaire, le Moyen Âge. On a un empire qui fonctionne avec une administration, une bureaucratie, des impôts, au début, l'Empire romain, et qui s'effondre. Et puis à la fin, on a le retour de l'État avec à nouveau une administration, à nouveau des impôts. Donc finalement, on peut dire qu'il ne s'est rien passé. Et justement, ce que je veux montrer, c'est que le Moyen Âge, c'est une période qui n'est pas une période de transition, c'est une période, comme un grand historien anglais, Robert Moore, l'a dit, une période d'intensification. Il y a un approfondissement de l'exploitation du territoire, de l'occupation du territoire, un approfondissement intellectuel des héritages venus de l'Antiquité, et qui débouche sur quoi? Sur quelque chose de totalement nouveau, une rupture réelle, et c'est pour ça que j'ai mis Léonard un peu comme un symbole. Léonard de Vinci, c'est un peu l'esprit universel de la Renaissance. En fait, c'est un homme du Moyen Âge. Il naît au moment où j'arrête mon livre, dans les années 1450.